Chers élèves abonnés, bonjour. Donc aujourd'hui, dans la série des patterns sur mes playlists, vous avez l'habitude, le pattern hashtag 30. Aujourd'hui, je vous mets deux petits patterns. Finalement, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Pop rock, ok. Un qui va demander un peu plus d'indépendance, l'autre un peu moins. Donc, il s'adresse à tout le monde. Comme d'habitude, on travaille ça très lentement, pas à pas. Je vais vous montrer comment faire. Et surtout, très important, vous allez dans le descriptif de cette vidéo afin de pouvoir y télécharger cette partition, parce que sans ça, ça va être compliqué d'apprendre la rythmique. Voilà, c'est totalement gratuit, clac, vous cliquez là-dessus, vous avez votre partition. Pour ceux qui aiment la chaîne, je l'ai déjà dit, vous pouvez aller hop, juste ici, voilà, ça s'appelle Tipeee, c'est pour que vous puissiez, si vous le souhaitez ou pas, voilà, vous pouvez aller soutenir la chaîne, tout simplement, des fois juste avec un petit euro, voilà, ça me permet à moi de pouvoir continuer, de vous fournir du support gratuitement. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller et moi, ça me permet de continuer. Voilà, on va donc maintenant aller s'installer directement derrière la batterie pour attaquer le premier de ces grooves où je vous ai mis bien sûr en dessous une nomenclature, ici pour la grosse caisse, la caisse claire, le charlet joué à la baguette, ensuite la cymbale ride, votre grande cymbale, et le charlet joué avec votre pied gauche directement de manière à aller choquer les deux cymbales. On imprime sa partition, on va s'installer à la batterie avec la vidéo et c'est parti. Ça y est, on est installé. Belle vue sur l'instrument. Vous pouvez voir mes pieds, mes mains, tout va bien. Voilà, donc on va commencer par le numéro 1. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, sur le numéro 1, je vais donc utiliser mes cymbales Charleston, ma grosse caisse et ma caisse claire. Pour faire... en fait, j'ai mon charlet qui, lui, va rester en croche, qui va faire 1 et 2 et 3 et 4 et tout le long de l'exercice, finalement. Mais vous pouvez vous apercevoir que, notamment sur les deux derniers temps, eh bien, je vous ai plutôt détaillé ça à la double croche, c'est-à-dire qu'on va changer de vitesse de compte. On va passer plutôt sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour arriver à tout bien placer. Déjà, pour commencer, je vous invite à aller jouer du 1 jusqu'au et du 2. Ce qui va nous donner 1 et boum, 2 et. Alors oui, j'ai utilisé une onomatopée entre le et du 1 et le 2 pour pouvoir aller glisser cette grosse caisse qui va jouer seule à ce moment-là. Donc sur le 1, j'ai un charlet grosse caisse. Sur le et, j'ai un charlet tout seul. Le boum, ce sera donc la grosse caisse toute seule. Le 2, une caisse claire charlet. Et le et du 2, une grosse caisse. Donc c'est parti, on y va. On va juste faire ça pour commencer. 3 et 4 et 1 et 2 et 1. Vous l'avez vu sur la fin, j'ai légèrement desserré mes cymbales, non pas avec la vis ici, mais simplement avec mon pied où j'ai levé les deux orteils. Ça a permis aux cymbales de continuer de se toucher, se frotter un petit peu sans être complètement écrasé. Et du coup, c'est là qu'on aura un son rock beaucoup plus costaud. Okay, dans cette rythmique-là, il faut que ça envoie un petit peu. Donc, je vais avoir un charlet comme ça, avec les cymbales qui se frottent et qui me font durer du son. Voilà, on n'a pas avec un charlet très serré, très fermé. Ce sera plutôt avec ce charlet donc à peine demi-ouvert, desserré même, je dirais. Voilà. Je continue avec mes autres temps. Donc, mon troisième temps, vous pouvez constater que j'ai écrit 1, 2, 3 et le 4 entre parenthèses. Le 4 entre parenthèses, c'est juste on va y penser, mais il n'y a rien à jouer sous le 4. Donc 1, je vais avoir charlet. 2, je vais avoir ma grosse caisse. 3, je vais avoir charlet grosse caisse. Le 4, rien, mais je vais le dire ou y penser ou dire chute, pourquoi pas. Et le dernier temps, je vais donc avoir sur 1, caisse claire charlet. Sur 2, grosse caisse. Sur 3, charlet tout seul, et enfin sur 4, la grosse caisse seule. Ce qui va me donner ceci. Je vous le fais d'abord pour que vous puissiez bien entendre avec un charlet bien fermé. Et sur la fin, je vais ouvrir un petit peu mon charlet. 3, 4, 1, 2, 3, chute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, chute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
Voilà, on a tout déchiffré moitié mesure par moitié mesure. Je vais maintenant vous jouer ce numéro 1 en entier, lentement, puis je vais accélérer progressivement, d'accord? Du début jusqu'à la fin, avec ce charlet légèrement desserré et en essayant d'appuyer un peu plus fort finalement sur les deux charlets que j'ai d'accrocher, d'accord? Toujours plus fort le premier éventuellement que le deuxième, légèrement. On y va, ça va donc nous donner ça. 3 et 4 et... On attaque maintenant le numéro 2, un peu plus technique quand même. Si on débute, ça va faire un peu plus mal à la tête, d'accord? Donc, c'est un peu les patterns des fêtes, là, hein, au moment de Noël. Ça, on arrive sur la fin d'année. Normalement, après cette vidéo, moi, je me mets en vacances et je reprends à la rentrée scolaire, donc sur la première semaine de janvier de la rentrée scolaire. Hop, vous retrouverez vos vidéos. Mais je vais faire comme vous, les vacances, c'est les vacances. Donc, ce numéro 2, on va y retrouver la cymbal ride, mais la grosse caisse et la caisse claire, mais aussi, donc en plus, on va avoir le fait d'aller appuyer avec le pied gauche sur mes cymbales pour avoir ce son-là, précisément. Voilà. Donc, ce charlet frappé va se retrouver systématiquement, vous le voyez sur votre partition, à chaque fois que l'on va compter le « et » de l'accroche sur ma ride. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Je vous fais l'exemple type de ce qui va se passer dans ce morceau sans jouer la grosse caisse ni la caisse claire, mais si je joue simplement ma ride et mon charlet, voilà ce qui va se passer dans le morceau. 1, 2, 3, 4. Je vous invite à commencer par faire tout simplement comme c'est écrit sur votre partition. 1, et, poum, 2, et. On s'arrêtera sur le et du 2 pour commencer. J'y vais lentement. Donc sur le 1, grosse caisse ride. Sur le et, ride, charlet pied gauche. Sur le poum, grosse caisse seule. Sur le 2, caisse claire ride. Et enfin, sur le et du 2, on s'arrêtera là, ride, charlet au pied. Maintenant, je vais partir de mon deuxième temps, donc à partir du 2. Je vais faire 2 et poum 1. Et je vais m'arrêter que là. 2 et poum 1. Maintenant, on va reprendre toute la moitié de la mesure, c'est-à-dire du premier temps jusqu'au troisième temps. 1 et poum 2 et poum 1. On va s'arrêter là. On va travailler maintenant ce groupe du troisième temps où on va avoir à compter finalement 1, 2, 3, 4, 1. Sur 1, je retrouve ma grosse caisse avec ma ride. Sur 2, j'ai une caisse claire main gauche. Sur 3, je vais avoir ma ride et mon frappé de pied gauche au charlet. Sur 4, une grosse caisse seule. Et sur le 1, je vais retrouver une caisse claire ride. Et la suite, et poum, on le connaît, on l'a déjà travaillé du coup sur le premier temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir
de cette deuxième partie de mesure, à partir du 1, 2, 3, 4, 1 et poum, 1, on reviendra au 1 du début. C'est parti! Agrouper un petit peu chaque morceau. Maintenant, je vais jouer le groove en entier, lentement, et je vais accélérer progressivement. Voilà, j'espère une fois de plus que cette vidéo aura pu vous aider à créer de nouvelles rythmiques, à sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux, la page Facebook ainsi que ma page Instagram. Et voilà, j'ai plus qu'à vous dire là normalement de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, et plein de bonnes choses pour vous. Régalez-vous bien en famille, entre amis. Et je pense que nous, on se retrouvera, comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, sur la semaine de la rentrée, je me mets moi aussi un petit peu en pause. Voilà, merci pour vos soutiens, merci pour vos abonnements, merci pour Tipeee aussi. Voilà, et je n'ai plus qu'à vous dire à vos baguettes et à très bientôt. Salut tout le monde!